Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai quelque chose à vous dire donc. Place à l'intro. Ouais les amis, j'ai quelque chose à vous dire. Là vous êtes sûrement en train de vous dire qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va. Ou alors je vous l'ai envoyé la vidéo et du coup vous savez à peu près, peut-être. Je sais pas. Je sais même pas si cette vidéo va sortir, d'ailleurs. Je sais pas si j'aurai la force. Je sais pas si j'aurai la force juste de la monter. Mais je l'espère en tout cas. Parce que je tourne cette vidéo. Je l'ai dit à mon père il y a à peine 24 heures. Donc voilà. Très franchement, il y a. Au moment où je tourne cette vidéo, il n'y a presque personne qui est au courant. Peut-être mes amis les plus. Soit les plus éloignés de ma famille, soit mes amis les plus proches de moi, en tout cas. Je voudrais déjà les remercier, parce que d'ailleurs, merci d'avoir gardé le secret jusque-là. Et voilà. Je sais pas comment vous. Je vais pas vous mentir, je l'ai pas encore accepté complètement. D'où le fait que je fais cette vidéo quand même. Comme ça, peut-être que j'aurai la force, en tout cas, de vous le dire. Je voulais juste vous dire aussi que cette vidéo ne sera pas montée. Enfin, montée proprement, en tout cas. Si vous voyez que je bégaye, qu'il y a un blanc, bah, c'est comme ça qu'a été tournée la vidéo. C'est comme ça qu'elle a été pas du tout pensée, parce que j'ai allumé la caméra, j'ai allumé les lumières, comme vous avez pu voir en début de vidéo. Et c'est tout. En plus, oh. J'ai oublié de vous dire aussi. Oui, nouveau décor. Nouvelle lumière. Et micro enfin que je vais utiliser pour faire ces vidéos-là. Donc si je fais ça, vous l'entendez puisque le micro est juste là. Bref. Non, pas. Revenons au sujet principal. Tout d'abord, la chaîne ne va pas changer pour autant. Hein. À trois vidéos, reste à trois vidéos. Des vidéos fun. Minecraftiennes aussi de temps en temps. En tout cas, quand j'aurai mon nouveau PC. Rien ne changera, à part que vous aurez une information supplémentaire. Et en fait, je fais principalement cette vidéo puisque la plupart de mes abonnés restent mes amis et mes camarades de classe. Donc, je sais très bien que ça m'évitera au moins de leur dire directement. Pour ceux qui croient qu'il faut avoir énormément de force pour parler devant une caméra, même d'un sujet comme ça, très franchement, là, je rame. En le dire en face de tous mes amis, que ce soit mes amis de collège, mes camarades de classe tout court, je pourrais pas. Franchement, je pourrais peut-être même pas leur dire directement. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire, j'y répondrai peut-être, ou alors je ferai une vidéo. Mais voilà. Donc du coup, revenons. Sujet principal quand même. Je suis gay. Ouais, je sais. Très franchement, certains vont me dire c'est pas grave, on t'accepte comme t'es. Et ouais, je sais. Vous m'acceptez. Moi, pour le moment, je suis là à me demander pourquoi, en fait. Pourquoi je le suis. Je le sais très bien, hein, ne vous inquiétez pas, j'ai fait des recherches. Je l'ai pas choisi, c'est naturel, je suis né comme ça, point. Mais je sais pas, dans ma tête, j'y arrive pas. J'arrive pas à me dire que bah c'est normal. En tout cas pour le moment. Peut-être qu'à l'heure où sortira cette vidéo, peut-être que si, au final. Peut-être que ma mentalité a changé, peut-être que. Mais on peut faire un monde avec plein de si. Donc voilà. En tout cas, je vais pas vous mentir que ça fait du bien de le dire. Je l'ai jamais dit à voix haute. Et c'est juste le dire comme ça, même devant une caméra, ça me fait énormément de bien. Je pense. Au passage, je pense pas que je referais ce genre de vidéo-là, parce que oui, ça fait du bien. Je vais pas le dire au contraire, c'est que ça fait du bien. Mais j'adore faire des vidéos préparées, et celle-ci ne l'étant pas. Voilà.
Donc voilà. Donc ouais, je préfère les garçons aux filles. Certaines personnes vont peut-être dire, tiens, en commentaire, ouais, mais t'es pas efféminé, t'aimes pas le make-up, t'aimes pas machin, t'aimes pas truc. T'es pas gay. Bah, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est pour une simple et bonne raison, c'est que oui, j'arrive à me faire facilement des amies filles. Mais étant donné que j'arrive à me faire des amis facilement tout court, bah en fait j'allais directement vers les garçons. Je vais pas vous mentir que certains en fait je les trouvais beaux, c'est pour ça que je suis allé vers eux. Et du coup on est potes maintenant. Donc voilà. Il y en a plein, ils vont se demander, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Il parle de moi là ou... Voilà. Non, ne vous inquiétez pas. J'avoue que j'ai pas dit aux personnes en question que j'avais déjà pensé en tout cas qu'ils étaient beaux. Très franchement, n'imaginez pas quoi que ce soit. N'allez pas trop loin. Mes amis restent mes amis. Puis c'est tout. Même si au début je ne savais pas pourquoi j'étais attiré vers eux, bah, maintenant je le sais. Et puis c'est tout. Voilà. Mais oui, du coup, rien ne va changer sur la chaîne. Tout va rester comme c'est. À part pour les journées Gay Pride, par exemple, où il y aura une petite particularité sur la chaîne. Puisque la chaîne se mettra aux couleurs de la communauté. Et puis ça sera la seule journée comme ça. Où... Et puis voilà. Mais ouais, je vais pas vous mentir que ça fait déjà depuis le mois de juin. Oui, juin 2020. Je vais préciser l'année parce que je sais pas quand va sortir cette vidéo. Et oui, depuis début juin 2020 que j'ai commencé à me poser ces questions-là, à me poser pourquoi j'arrive pas avec les filles. Parce que oui, pour ceux qui peuvent se poser la question, oui, je suis déjà sorti avec des filles. Mais c'est jamais, je sais pas, j'avais jamais vraiment l'envie. Jamais réellement. Bref, amoureux quoi. C'est le bon terme en fait. J'ai jamais vraiment été amoureux. Et je vais pas vous mentir que là, cette année, je me sens un peu seul. Donc ouais. Ouais, chers amis. Ça fait du bien. Ça fait du bien de le dire. Quand j'y pense. Et voilà. En tout cas, j'espère pas perdre d'amis. Pour le moment, j'ai tous mes amis proches, très proches, je leur ai dit et ils ont très très bien répondu. Donc je les remercie réellement. Ils m'ont accepté comme je suis, ils ont pas posé de questions particulières alors que je m'y attendais. Et voilà. Donc je les remercie profondément d'avoir fait ça. D'avoir réagi comme ça. Je remercie aussi mon père qui a bien accepté. Oui, je dis que mon père parce que ma mère étant pas là, je lui ai pas encore dit. Enfin, pas là. Elle est partie à La Rochelle puisque mes parents se sont séparés. Et voilà. Mais je leur ai pas dit. Enfin, je lui ai pas dit. Très franchement, je crois que ça se compte sur les doigts de la main, les personnes que auquel je l'ai dit réellement. Donc voilà. Enfin pour le moment, parce que à partir du moment où cette vidéo va sortir, allez, il y aura peut-être tous mes proches en tout cas, tous mes amis qui seront au courant. J'espère que cette vidéo sera vue en tout cas, parce que merde quoi. Merde. Je pensais jamais faire une vidéo comme ça. Très franchement, je pensais jamais faire réaliser une vidéo dans ce style-là, avec ces pensées-là, avec... voilà. Mais bon, on sait jamais, il y a des fois sur des chaînes YouTube qui pop comme ça, des vidéos. Pop. La moitié de la communauté est en train de pleurer derrière son écran, là. J'en sais rien. Je sais rien de ce que vous faites. Ça se trouve, vous êtes en train d'actuellement commenter. Et puis voilà, faut savoir que, ouais, peut-être certaines personnes... l'aura remarqué. Mais ce bracelet-là contient les couleurs LGBT. Voilà. Mieux comme ça.
Donc je vous mets le drapeau LGBT juste à côté. Voilà. Et alors, certaines personnes vont dire c'est le drapeau gay. Oui, effectivement, de base, c'était le drapeau gay. Mais maintenant, c'est le drapeau LGBT, c'est le drapeau qui englobe la communauté complète. Voilà. Ouais. Donc dites-moi en vidéo si vous voulez que je fasse une vidéo avec, avec d'autres personnes. Enfin, pour m'aider en tout cas pour la production de cette vidéo-là. Puisque je suis sur le serveur LGBT+ sur Discord. Je les remercie, eux, qui m'ont bien aidé pour m'accepter, en tout cas, pour le début. Pour comprendre, en tout cas. Et je les remercie du fond du cœur. Sans eux, je sais pas. Je sais franchement pas ce que j'aurais fait. Et je vais pas vous mentir qu'avec ce putain de coronavirus. Ouais. Je pense que malheureusement, je pourrais pas dire. J'oublierai jamais, enfin j'oublierai cette période dure de ma vie, qui a été le confinement. En tout cas pour moi ça a été dur, même si vous l'avez pas ressenti dans les vidéos, etc. Moi cette période-là, entre le chiffre d'abonnés qui ne monte pas du tout, qui s'arrête, bah ça pique. Très franchement ça pique de le voir s'arrêter à 48 abonnés, qui ne bouge plus. Ça a été dur, 48 pardon. 38 abonnés. Et maintenant il est à 44. Alors je vous remercie les 5 abonnés supplémentaires. Et je vous remercie en tout cas de vous être abonné. Non, plus sérieusement. Je vais pas dire que je suis encore fier. Je suis fier de moi. En tout cas, je suis fier de moi aujourd'hui de l'avoir dit. Fier de qui je suis, pas encore. Comme je l'ai dit. Voilà. Donc ouais, je sais, cette vidéo fait peut-être déjà presque un quart d'heure. En tout cas, peut-être 10 minutes facile. Merci d'avoir écouté la vidéo jusque-là. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre en commentaire. J'y répondrai soit en vidéo s'il y a beaucoup trop de commentaires. Soit en commentaire directement. Voilà. Et je voulais mettre un like. En tout cas, pour m'aider à m'accepter. Mettez un petit like. Au passage, je fais pas cette vidéo pour le buzz. Voilà. En général, ça marche pas beaucoup ce genre de vidéo pour le buzz. Si vous vous demandez aussi pourquoi il y a ce pic-là, depuis le début de la vidéo, c'est la lumière qui est en backlight. Je sais toujours pas comment résoudre ce putain de problème qui m'énerve. Mais bon, bref. Donc voilà, si vous voulez voir plus de vidéos dans le fun, la bonne humeur. Ouais, je suis en train de me redonner un masque. Parce que, ouais, au passage, c'est ce que j'ai fait pendant des années. Me cacher. Et je veux plus, en fait, me cacher, donc voilà. Bref. Si vous voulez voir des vidéos avec du fun, avec quelqu'un de joyeux, avec quelqu'un qui est dynamique, en tout cas qui l'essaye, quelqu'un qui essaye de sortir des vidéos régulières. Parce que je vais pas vous mentir que c'est extrêmement compliqué de sortir des vidéos régulières. Surtout quand sur ma chaîne, j'ai pas réellement de thème particulier, en tout cas pour ce genre de vidéo. J'aimerais bien faire de n'importe quoi. Dites-moi en commentaire au passage, peut-être que ça peut peut-être vous intéresser que je fasse un peu n'importe quoi. Mais bref. Bref, abonnez-vous en tout cas si vous voulez voir plus de contenu. Je vous invite en tout cas si vous tombez sur cette vidéo à d'abord regarder une de mes vidéos. Qui va afficher en fin de vidéo. Voilà. Avant de vous abonner, parce que peut-être que vous me connaissez pas, et voilà. En tout cas, je vous invite au moins à regarder mon contenu, moi une fois, et à regarder, et à aimer, et à vous abonner. Donc, chers amis, c'était Alec de la chaîne A3 Vidéo. J'adore faire ça en ce moment. Et je vous dis, n'oubliez pas le build, c'est bien. En tout cas, si vous aimez Minecraft. Et puis, à la prochaine. Bye bye tout le monde.